Dans les prochains épisodes d'Un Si Grand Soleil sur France 2, Gary va apprendre que Myriam sort avec un homme marié et va finir par remonter jusqu'à Henrik. Comment va-t-il réagir en découvrant la trahison de son ami? L'aventure d'Henrik avec Myriam va-t-elle faire exploser le couple que forme le beau-père d'Inès avec Maud dans Un Si Grand Soleil? Depuis maintenant plusieurs jours, Henrik, Julien Macedois, trompe sa femme avec Myriam, Pauline Paolini, la cousine de Davia qui a récemment rejoint l'équipe de Elle Cosmétique en tant que standardiste intérimaire. Tout a commencé par un dérapage d'un soir, après un verre entre collègues. Une aventure sans lendemain qu'Henrik semblait décidé à oublier afin de préserver coûte que coûte son mariage avec Mo, Frédéric Kamatari. Mais ses tentatives pour résister au charme de Myriam se sont avérées vaines, et une liaison au long cours semble bien partie pour s'installer entre les deux employés de la société de Julien Bastide. Alors, combien de temps vont-ils parvenir à garder leur liaison secrète? Malheureusement pour eux, CIST, comme souvent, Gary, Alban Omar, qui pourrait venir tout compliquer dans la suite d'Un Si Grand Soleil. Dans l'épisode du feuilleton de France 2 diffusé ce vendredi 2 avril, Myriam a fait comprendre à Gary qu'il ne se passerait jamais rien entre eux pour une très simple raison, elle a rencontré un homme qui lui plaît énormément. Mardi, Gary, déprimé par la tourne des événements, va apprendre par l'intermédiaire de Quentin que Myriam sort avec un homme marié. Et de manière assez inattendue, cette nouvelle va lui remonter le moral. En effet, Gary va se mettre en tête de découvrir l'identité de l'homme en question afin de pouvoir, par la suite, tout balancer à la femme de ce dernier et faire capoter son histoire avec Myriam. Lui laissant ainsi le champ libre pour passer à l'action et consoler l'élu de son cœur. Gary va donc suivre discrètement Myriam jusque chez elle et va attendre dans sa voiture en espérant voir débarquer son amant. Et il va littéralement tomber des nues lorsqu'il va apercevoir Henrik entrer dans l'immeuble où vit la jeune femme. Persuadés que seule Claire est au courant de leur histoire, Henrik et Myriam vont une fois de plus faire l'amour. Sans se douter une seule seconde que Gary a découvert la vérité au sujet de leur liaison. Sous le choc, Gary va se tourner vers Paco qui va lui conseiller de ne rien dire à mot. Mais va-t-il réellement écouter la recommandation de son ami? Rien n'est moins sûr. Après tout, tout porte à croire que Mo va prochainement apprendre que son mari la trompe. Et on ne serait pas étonné si Gary était pour quelque chose. Affaire à suivre. The